Tout a commencé comme ça. Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré au virus apparu en Chine. Le bilan s'est alourdi, 17 morts et 444 malades. La transmission d'homme à homme est avérée. Un marché de poissons de la ville de Wuhan dans le sud-ouest de la Chine serait le foyer de l'épidémie. Après le Japon, la Corée du Sud, la Thaïlande, Taïwan, l'Australie et les États-Unis ont annoncé un premier cas de maladie. L'OMS s'est réunie à Genève pour déterminer s'il y a urgence de santé publique de portée internationale. Alors que sait-on sur ce virus? À quelle vitesse se propage-t-il? Peut-on finalement redouter une épidémie comme celle du SRAS? 2021, tout allait bien sur notre île. On pensait que c'était fini. Malheureusement, ce n'était pas le cas. We turn now to the coronavirus pandemic. There are new concerns about another surge. The United States has marked for another Après un troisième lockdown, l'économie était déjà à genoux. Et le peuple voulait être libre. Mais la situation ne le permettait pas. Et le jour où le quatrième lockdown a été annoncé, c'était le début d'une nouvelle ère. Le peuple s'est rebellé. Les magasins ont été pillés, les villes détruites. L'homme a laissé sortir son instinct le plus primitif. Les survivants ont été regroupés dans 5 zones sans danger, appelées factions. Leur but? Offrir refuge, nourriture et surtout paix à leurs membres. Les 5 grandes factions sont celles du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, et la plus importante, celle du Centre. Ceux qui ne suivent pas les règles ou ne font pas partie des factions sont nommés hérétiques, renégats, mais surtout les déviants. Le gouvernement a essayé de nous prévenir, mais ça n'a pas fonctionné. Mettez vos masques. Ne voyagez pas. Ne vous attroupez pas. Rien n'a fonctionné. Ça fait déjà un an que c'est la merde. Un an où tu dois te battre pour survivre. Enfin, excuse-moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu personne. Et juste rencontrer quelqu'un pendant ma ronde, c'est fou. Qui aurait cru que j'allais rencontrer une personne ici? D'ailleurs, dis-moi, t'es dans quelle faction, toi? Parce que maintenant, on est obligé d'être dans une faction pour avoir tous les vivres. T'es dans quelle faction? Ah, celle du Centre. Vous avez mis Frankie, vous. Mais qui aurait cru que sous sa maison en tôle, le mec était blindé? Qui aurait cru? Je suis vraiment content. Je suis vraiment très content. Tu sais quoi? Fait-on ça?
Ah, je crois entendre un bruit. Mon pote, crois-moi. Avec ça, t'es sûr. Vas-y, mec. C'est fort. J'espère que ça finira un jour. J'ai des personnes que j'ai besoin de retrouver, mais... Mais vu qu'il y a eu autant de morts, et que les factions sont contrôlées par des... Mec, ça va? Wow. Oh, mec, ça va? Règle numéro 1. Ne jamais faire confiance à aucun étranger. T'as l'air d'un brave petit gars. Mais je ne sais pas d'où tu viens. Si t'es un espion, si t'as envie de me tuer, je ne peux pas te laisser partir. On ne joue plus à des jeux. Maintenant, c'est tuer ou être tué. C'est tout. Je suis désolé, mon pote. Je suis vraiment désolé. Ce soir, j'ai enlevé la vie d'une personne. Encore une fois. Suis-je un monstre? Il avait une sœur. Il me l'a dit. J'aurais pu le laisser. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non, non. Ce monde est une jungle. Comme lui, je lutte pour ma survie. Je me dois de vivre. Comme toi.